Je viens vous amener les albums du club avec les vignettes. L'idée a mis 2 ans à germer et quelques semaines à se réaliser. La veille de Noël, l'album du club de foot de Luc Laprimaube et ses vignettes seront disponibles dans 3 points de vente en Aveyron. Tous les enfants sont représentés en vignettes et avec des numéros que l'on va coller dessus. Donc il y a toutes les catégories, ainsi que les dirigeants, le comité directeur, les commissions d'animation. Il y a tout le monde, il y a 500 licenciés représentés dans cet album. 500 licenciés de 5 à 70 ans qui se sont prêtés au jeu avec l'aide d'un photographe professionnel. Tu me fais un petit sourire, s'il te plaît. Voilà, très très bien, parfait. Je te remercie. Au total, 437 photos individuelles et 60 photos collectives ont été prises. C'est une super idée parce que ça va représenter le club. On va collectionner toute l'équipe, tout le club. C'est beau, c'est bien. On a des souvenirs des autres copains. Comment tu te trouves sur la vignette ? Ça va, beau. 500 albums ont été imprimés. Ils permettront au club de foot de Luc Laprimaube, deuxième club aveyronnais en termes d'effectifs, de booster sa trésorerie. C'est la première année que le club se lance dans cette idée. Ça nous permet de mettre financièrement du beurre dans les épinards, puisque ça nous permet de renflouer les caisses, de pouvoir créer le goûter de Noël cette année qu'on fait avec tous les licenciés. Et j'espère que ça sera une belle fête du football. Inutile de préciser que ça va chauffer à la rentrée dans les cours de récréation. Les enseignants sont prévenus. Exceptionnellement, l'échange de vignettes sera autorisé.